Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiya مع الأستاذ محمد البخاري. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأنتم كتشاهدوا القناة ديالي، القناة اللي باغي نطلعها إن شاء الله وتكبر بالمساندة ديالكم وبالدعم ديالكم باش توصل لجميع التلاميذ والتلميذات المغاربة وتعمل الاستفادة إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي ندير معكم لي زيكزارسيس دونترينمون اي لي زيكزارسيس ديفالواسيون اي دو كونسوليداسيون دي زاكي بور لا لوسون دو باسي كومبوزي دي فيرب دو دوزيام جروب. غادي نديرو هاد التمارين المقترحه في الصفحه 75 من الكتاب المدرسي بور كومونيكي اون فرونسي 5 اني دو لونسينمون بريمير، اللي هي خاصه بالدرس ديال لو باسي كومبوزي، الماضي المركب ديال الافعال ديال المجموعه الثانيه اللي كنا بديناه، وكاين في القناه اللي باقي ما تفرج ليهش يتفرج له. داكوغ، في البدايه غادي نبدا بالقراءه ديال جو روتين. داكوغ، جو في فولي Suivez avec moi. Le passé composé exprime un fait passé ou un événement entièrement achevé. Le passé composé, le wal madi murakkab, chna huwa? Huwa wahed le temps, wahed zaman ki exprime ki abarna ala wahed l'action, wahed l'hadath li dazet fi l'madi w tsalat, dazet wahed l'haja w tsalat. Mathalan, j'ai visité Rabat, zortou Arribat, walakin zorta chhal hadi, zorta w jit. صافي زرتوها، واحد الحدث مشى. لو باسي كومبوزي دي فيرب دو دوزيام جروب، دابا الماضي المركب ديال الافعال ديال المجموعه الثانيه، اي كومبوزي دو لوكسيليير افوار، كيتكون منين؟ من جوج ديال الحوايج اللي هما لوكسيليير افوار او بريزون دو لانديكاتيف، اي لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي دو فيرب، اي سو تيرمين توجور باغ اي، كيتسالى دائما باي، صافي كيتسالى دائما باي. هذه مسألة معروفة ياك؟ سي تخي بيان. دابا غادي نديرو لي زيكزارسيس دونترينمون ديال التمرين. غادي نبداو بليكزارسيس الأول. جو كومبليت لي فراز افيك لو برونوم بيرسونيل كي كونفيان. دونك عندنا أربعة ديال لي فراز، 1 2 3 4، باش غادي نكملهم؟ غادي نكملهم بلي برونوم بيرسونيل. صافي، بلي برونوم بيرسونيل. جو، تو، إيل، إل، نو، فو، إل، إي دو بلوريال. D'accord. Donc, je trouve que j'ai les verbes qui sont le passé composé. J'ai choisi. Avons fini. Ont grandi. Avaient accompli. Les verbes, ce sont des verbes du deuxième groupe. Ça fait. Afal de la deuxième. Je trouve que l'afal de la deuxième qui se sont à l'auxiliaire avoir. Donc, je vais vous dire l'auxiliaire avoir se sont la conjugaison de j'ai, tu as, il a. Elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord. Donc je vais dire ici, donc on écrit blanc mouraïr, un dergé. D'accord. J'ai choisi. Ça fait. Ici, avons fini. Nous avons. Ça fait. Nous avons. Ici, ont grandi. Ils ont grandi. D'accord. Ils ont grandi. Ou le mumkin diro, elle. Ont grandi. Ça fait, on a avis, on dit vous. Vous avez accompli. D'accord? Vous avez accompli. Donc, on a dit j'ai choisi des cartes postales pour le nouvel an. On a dit nous avons fini nos devoirs. On a elle ou bien ils ont grandi à Marrakech. On a dit vous avez accompli le travail nécessaire pour réussir. Ça fait? D'abord, on va dire la question 2. Les qui disent j'ai créé convenablement le participe passé du verbe du deuxième groupe. Je ne sais pas si on va dire le participe passé de l'équipe de Kosin. Tariqa sahiha. D'accord, on va dire tariqa sahiha. Je vous mets. Donc, on va dire les phrases. La première phrase. Le grand-père a le verbe bâtir. Ce sont des verbes du deuxième groupe. D'accord, on va faire le même mot. Ça fait. On va dire que avec l'auxiliaire avoir, le participe passé se termine par i. Donc, naya, qui va changer que le verbe bâtir, participe passé de l'eau, ou bâti. Bâti, bâti, bâti. Donc, le grand-père a bâti la maison. D'accord? La deuxième phrase, les nouveaux pilotes ont le verbe atterrir à l'aéroport Mohamed V. Donc, on a le verbe atterrir. Comme ça, atterrir. Avec i. Les nouveaux pilotes ont atterri à l'aéroport Mohamed V. La phrase 3. Nous avons le verbe avertir nos parents de notre retard. Le verbe avertir, nous avons averti. Averti, comme ça. Nous avons averti. L'auxiliaire avoir. Nous avons averti nos parents de notre retard.
La quatrième phrase, vous avez agrandir le portrait de notre grand-père. Agrandir, le verbe agrandir, donc je n'ai rien à dire, agrandi. Vous avez, c'est l'auxiliaire, ou agrandir, c'est le participe passé. Vous avez agrandi le portrait de notre grand-père. Ça fait, l'entraînement, l'évaluation et consolidation de l'acquis. Ça va? Je vous fais la question. J'écris les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, les verbes entre parenthèses, je vais dire l'homme, je vais dire sarrafom, le passé composé. D'accord? Donc, les verbes qui sont carfiha, ce sont des verbes du deuxième groupe. Ou le verbe du deuxième groupe qui sarraf le passé composé, c'est-à-dire avec l'auxiliaire avoir, au présent de l'indicatif. Plus le participe passé qui est célèbre i. Donc c'est j'ai, donc j'ai rendu j'ai, on rend que le participe passé, fini. Allez. Hier soir, j'ai fini mon devoir avant d'aller au lit. L'an dernier, le jour de la Shoah, ma petite sœur, le verbe choisir, ma petite sœur, c'est quel pronom? Wed el ed. D'accord? Elle a, c'est dans l'auxiliaire avoir, elle a choisi. Comme ça, choisi. Elle a choisi. Il a choisi, ou bien ma soeur, ma petite soeur a choisi une poupée. L'an dernier, la maladie, le verbe affaiblir. La maladie, elle. Du singulier féminin. Le verbe affaiblir, donc, elle a affaibli mon camarade. Ça fait. Au retour du voyage à l'étranger, nous, le verbe atterrir. Nous, le verbe atterrir. Donc, Retsarflim à l'auxiliaire avoir. Nous avons atterri. Atterri. Comme ça, se termine par i. Donc, l'irsnarkazalia ou le verbe, c'est Retsarflim à l'auxiliaire avoir. Ou le participe passé dialo, suitselebi. Hna avoir, ou le participe passé qui est celebi. Hna avoir, ou le participe passé qui est celebi. On a avoir kadalik participe passé qui est célèbre. On a avoir kadalik qui est célèbre. Ça fait. Donc, c'est un anchita de la kitab pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. C'est ce que j'ai fait cette vidéo. Je vous remercie pour tout le tofiq et le najah. Je vous remercie de soutenir mon canal Tarbouyat avec l'Oustad Mohamed Al-Bukhari. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur le jaras pour vous donner toutes les vidéos que je vous présente. Je vous remercie avec l'Oustad Mohamed Al-Bukhari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.